Je m'en vais. Demain soir. Le kibbutz Tessel Fares va se passer de moi. Il y a 8 ans que mon mari avait demandé son transfert. Nous ne comptions pas rester. Vous le saviez bien. C'est bien fait pour vous. Ça vous apprendra à vous servir d'un océanographe qualifié pour lui faire transporter des cailloux dans une carrière. Étant donné qu'il n'existe pas d'étendue d'eau sur cette planète, je vois difficilement comment on aurait pu employer un océanographe dans sa partie. Pourtant, vous êtes chez vous ici, tout autant que vous êtes. Nous avons fondé cet endroit ensemble. Et le fromage est un fait ici. Et les trombillons, ces suborganismes capriformes qui puent autant que les sous-vêtements portés il y a un an par le destructeur de formes. J'ai la ferme intention de ne plus jamais les revoir. Pas plus que de remanger de cet épouvantable fromage. Quant à Delmaco, c'est pour un travail expérimental, si j'ai bien compris. Sur une petite échelle, 13 ou 14 personnes. Pour vous, ce serait remonter en arrière, au premier temps du Tessel Fares. Ça vous tente de repartir à zéro? Regardez le temps qu'il nous a fallu pour avoir ici une centaine de membres efficaces et actifs. Vous aurez envie de revenir. Et vous savez ce que je vous répondrai? Si tous les deux, vous les Morlaix, vous demandez à revenir au kibbutz, je vous dirai, nous n'avons aucun besoin d'un océanographe. Nous n'avons pas même d'océan. Et nous n'allons pas vous aménager ne serait-ce qu'une mare pour vous donner de quoi travailler ici. Je n'ai jamais réclamé de mare. Mais vous auriez bien aimé en avoir une. J'aurais aimé n'importe quelle étendue d'eau. Et c'est bien ce qui résume la situation. Voilà pourquoi nous partons pour ne jamais revenir. Et vous êtes sûr qu'il y a de l'eau sur des macos? Je suppose. C'est ce que vous supposiez aussi en venant ici, et ce fut le point de départ de vos ennuis. Je pensais que du moment que vous passiez une annonce demandant un océanographe... Laissez-moi manger mon fromage. La barbe. Vous me donnez envie de vomir. Vous aussi. Les disputes t'épuisent. Ouais. Et Gossim m'épuise. Je suis fatigué par cette unique engueulade, au point d'oublier toutes celles qu'il y a eu pendant 8 ans. Je vais choisir un fuseur. Vous êtes sûr d'avoir droit à 10 autres pots? Vous pouvez vérifier sur mon quota de marmelade avec Joe Percé. Allez-y, passez-lui un coup de fil. Je suis trop occupé. Pas de carton? Fichez le camp. Parfait. Adieu, Tessel Fares. Lequel prendre? Je choisirai le premier dont le nom commencera par M. Le seul truc valable de ce kibbutz. La seule chose que je regretterai, et j'en ai bien peur. J'ai choisi un fuseur. Viens sur le terrain, je te le montrerai. Tu es sûr qu'il marche bien? Tu sais bien que je m'y connais en mécanique. J'ai examiné le moteur, le câblage, les contrôles, les systèmes protecteurs, absolument tout à fond.
J'avoue qu'il m'a l'air plutôt minable. Mais enfin, si tu dis qu'il fait l'affaire. J'ai commencé à charger. Grand Dieu. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'as rien vérifié. Tu as passé ton temps à leur soutirer le plus que tu pouvais de cette saloperie de marmelade. J'ai quelquefois l'impression que tu es fou. Enfin, notre vie dépend du bon fonctionnement de cet appareil. Suppose que l'oxygène ou le chauffage soient défaillants ou qu'il y ait des trous microscopiques dans la coque. Ce qu'il y a de bizarre, c'est cette veine insensée que tu as. Je veux dire cette aptitude instinctive. C'est sans doute le meilleur fuseur sur le terrain. Non parce que tu as pu en décider, mais à cause de cette veine qui fait presque de toi un mutant. Ce n'est pas de la veine, c'est du jugement. Non, c'est tout sauf ça. Tu n'as aucun jugement, au sens habituel du terme en tout cas. Mais tant pis. Nous prendrons ce fuseur en espérant que ta veine ne te fera pas défaut. Mais comment peux-tu vivre ainsi, Seth ? Jusqu'à présent, je me suis arrangé pour que ça marche pour nous. Tu t'es arrangé pour nous faire croupir dans ce kibbutz pendant 8 ans. Mais maintenant, j'ai fait ce qu'il fallait pour qu'on s'en sorte. Pour tomber probablement dans quelque chose de pire. Et nous ne savons rien de l'endroit où nous allons. Mais... Reste ici, sinon je pars sans toi. Où est-elle ? Il y a de l'abus. Je me demande si tout ça vaut la peine. Passer d'un boulot pourri à un autre, je suis un raté. Marie a raison, pas même capable de choisir un fuseur. Tout juste bon à y entasser des pots de marmelade. Le marcheur sur la terre. Monsieur Morley ! Oui. Votre fuseur, le Morbid Chicken, ne vous déposera pas, votre femme et vous, sur Delmac O. Je dois donc intervenir, mon cher ami, vous comprenez ? Bien sûr. Choisissez-en un autre. Oui, c'est ce que je vais faire. Et merci, le fait est que vous nous sauvez la vie. Je vais vous aider pour vos bagages. Je recommande celui-ci, il ne paye pas de mine, mais il est mécaniquement parfait. Et je veux dire merci. De toute façon, ce n'est pas l'extérieur qui compte. L'important, c'est ce qu'on a dans le ventre. Les fuseurs comme les gens. Il n'y a aucune raison d'avoir peur de moi. Intellectuellement, je le sais. Vous n'avez jamais pensé à demander l'aide d'un psychiatre ? Non. Arrêtons-nous un moment et reposons-nous. Ainsi, nous pourrons parler un peu. Non. Pourquoi pas ? Je ne veux rien savoir, je ne veux rien entendre. Je sais que je ne suis pas parfait, mais je ne peux pas changer. Je suis satisfait ainsi. Vous avez pourtant omis d'examiner le Morbid Chicken. Y a-t-il une chose que vous aimeriez me dire ? Je vous suis reconnaissant, infiniment reconnaissant de votre apparition. À maintes reprises au cours des années passées, vous avez réfléchi à ce que vous me diriez si vous me rencontriez une nouvelle fois. Bien des choses vous sont passées par l'esprit. J'ai oublié. Désirez-vous que je vous bénisse ? Bien entendu. Et pourquoi ? Qu'ai-je fait ? Je suis fier de vous, c'est tout. Mais pourquoi ? Un jour, il y a des années, vous aviez un chat que vous aimiez. Il était glouton et fourbe, mais pourtant vous l'aimiez. Un jour, il mourut pour s'être logé des fragments d'os dans l'estomac après avoir chapardé les restes d'un busard martien dans une poubelle. Vous étiez triste, mais vous l'aimiez toujours. Son essence, sa voracité, tout ce qui constituait son être, l'avait conduit à la mort. Vous auriez donné cher pour le faire revivre. Mais vous l'auriez voulu tel qu'il était, glouton, débrouillard, tel que vous l'aimiez, sans rien changer. Comprenez-vous ? J'ai prié à cette époque. Je n'ai reçu aucune aide. Le psychofaçonneur aurait pu réenrouler le temps et reconstituer mon chat.
Voulez-vous qu'il vous soit maintenant rendu ? Oui. Vous solliciterez l'aide d'un psychiatre ? Non. Je vous bénis. Merci. Vous le reverrez un jour, quand vous serez assis avec nous au paradis. Vous en êtes sûr ? Oui. Exactement tel qu'il était ? Oui. Il se souviendra de moi ? Il se souvient de vous en ce moment. Il attend. Jamais il cessera d'attendre. Merci. Je me sens beaucoup mieux. Je l'ai vu. Qui ? Le marcheur sur la terre. Il est venu me dire que le fuseur que j'avais choisi nous aurait tués tous les deux. Nous ne serions jamais arrivés à destination. Je le savais bien que ce tas de ferraille n'était pas capable de nous emmener. Mon chat est toujours vivant. Tu n'as pas de chat. Est-ce que tu lui as demandé en quoi consistait ce travail ? Je n'y ai pas pensé. Espèce d'imbécile. Dis-moi de quoi a l'air le marcheur ? Tu ne l'as jamais vu ? Tu sais bien que je ne l'ai jamais vu. Il est beau et doux. Il a étendu la main et m'a béni. Alors il s'est manifesté à toi sous les dehors d'un homme ? Intéressant. Si ça avait été une femme, tu n'aurais pas écouté ce que... Je te plains. Il n'est jamais intervenu pour te sauver. Il considère peut-être que tu n'en vaux pas la peine. Je pars seul sur Damako. Tu crois ça ? Tu le crois vraiment ? Je viens avec toi. Je veux garder tout le temps l'œil sur toi. Sans moi... D'accord. Tu peux venir de ton côté si tu veux, je m'en fous pas mal. D'ailleurs, si tu restais ici, tu coucherais avec Gossy, mais tu lui gâcherais la vie.